à quelques kilomètres à l'est de Mont-de-Marsan, un charmant petit bourg. Du 30 avril au 5 mai 2007, l'association Vivre à la Glorieuse propose à tous une initiation à la sculpture sur bois. C'est ainsi que, jour après jour, une œuvre communale est née. Un tronc de platane, 80 cm de diamètre, 4 mètres de long, arrive au théâtre de verdure de la commune. Le président de l'association et quelques glorieux procèdent à sa mise en place. C'est dans une bonne ambiance qu'on installe le chapiteau qui abritera, durant la semaine, le site et les divers intervenants. Tout est en place, et quelques visiteurs cherchent l'inspiration sous les yeux de l'artiste, qui a pris pleine possession des lieux, car demain, le travail collectif va commencer. Je vous demande du silence et je vous demande de m'écouter. C'est un jeu, mais en même temps, ce que ça va donner avec vos dessins et ce que vous allez ressentir, c'est quelque chose qui va rester ici pour longtemps. C'est un héritage. D'accord ? Peut-être que ça va être là 150 ans et qu'après, ils le mettront à l'abri, je ne sais pas quoi. Donc ça va rentrer dans l'histoire de l'histoire. D'accord ? Vous jouez un rôle historique là, en vous bandant les yeux d'une certaine manière. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc mettez-vous dedans, lâchez-vous, réfléchissez pas trop. Hein, vous allez toucher le tronc, laissez, ressentez ce que vous ressentez, quelle que soit la pensée qui vous vient, laissez-la venir. Après je vous prendrai par la main, je vous assierai à la table, je vous donnerai du papier et un crayon. Laissez-vous faire, d'accord? Acceptez d'être dépendant pour un moment et jouez le jeu. T'as toujours l'eau avec tes bulles, toujours l'eau et la petite fontaine. Après intense réflexion, chacun commente ses dessins afin de définir les thèmes qui pourraient être représentés sur la sculpture. L'artiste cerne maintenant très bien le projet et décide d'intervenir sur la pièce de bois. Cette bille de chêne servira de support à la sculpture. L'artiste, qui a une idée très précise de sa forme, en commence l'ébauche. Je pose là où c'est.
Voilà, c'est parfait. Ça va falloir, hein. Ça va être beau. Donc, tous ces trucs, il y a le lavoir. Qui... C'est maintenant l'inauguration de la sculpture en présence des autorités, de l'artiste et de nombreux glorieux et invités divers. Vous avez devant vous une sculpture citoyenne. C'est l'œuvre d'un village. Ils ont commencé les yeux fermés. Hein? Ouvrez grand les vôtres. Vous avez là la glorieuse.